Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le pack d'Halloween, donc l'événement d'Halloween sur Warzone et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer des récompenses gratuites et je vais vous montrer aussi les 3 nouveaux packs qui ont été ajoutés depuis Halloween. Donc c'est parti, let's go, hein, je vais vous montrer ça. Alors déjà j'ai débloqué une petite récompense quand je me suis connecté, donc là vous n'allez pas la voir parce que je l'avais... Enfin, je vous la montre quand même à l'écran, mais je l'ai déjà récupéré, la petite récompense. C'est un petit porte-bonheur, un petit seau de bonbons comme ça. Donc ça, c'est gratuit pour tout le monde. Et ensuite, donc quand vous arrivez dans le jeu, vous avez un nouvel onglet, c'est l'événement d'Halloween. Et regardez, là, on peut récupérer 16 récompenses, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente. Donc la première récompense, c'est tout simplement une carte de visite, scène effrayante. Ensuite, un porte-bonheur, un deuxième porte... Ah non, c'est un spray. Ensuite, il y a une montre ici, un autre porte-bonheur. Un autocollant, un spray, une variante de fusil d'assaut, donc military base. Tu redeviendras poussière. Donc est-ce que je peux la voir? Oui, je peux la voir. Donc voyons voir. Elle est quand même pas mal avec une tête de mort. Franchement, ça va, elle est stylée. Et tout ça c'est gratuit, donc franchement ça c'est cool de la part de Call of. Une carte de visite, un spray, un autocollant, un emblème encore. Un autre emblème. Et là, une arme de corps à corps. Donc, un goulag légendaire couperet. Donc, c'est une petite hachette. Hein, une machette. Non, une hache. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça. Un couteau de boucher, quoi, en tous les cas. Alors, tout ça pour débloquer chaque accessoire. Regardez, vous avez une petite map. C'est la map de Verdance. Et, par exemple, si vous voulez cette carte de visite, regardez, vous allez devoir aller ouvrir des caisses de ravitaillement. Des caisses, des coffres et tout ça, dans cette zone-là, où vous pouvez voir, donc, à storage, enfin, ouais, c'est ça, en fait. Ah ouais, mais carrément, il montre le lieu, en fait, justement. Là, c'est Storage Town, là, c'est Bonnet Yard, là, c'est Superstore, ok. Ok, donc là, c'est pour l'arme, c'est la Military Base que vous allez la trouver, et pour le couperet, là, c'est où? Goulag. Ok, donc il faut aller dans le goulag chercher après des coffres. Et quand vous aurez, je sais pas exactement, ça va être aléatoire. Il est marqué, regardez, fouiller des coffres, trouver des caisses que vous pouvez ouvrir dans Verdansk. Ensuite, vous trouverez une surprise. Donc vous pourrez trouver une carte de visite, des porte-bonheur, des emblèmes et bien d'autres surprises dans les caisses. Et ensuite, récompense bonus, trouver tous les butins de l'événement pour obtenir un plan exclusif d'Halloween. Donc là, on débloquera carrément une variante. Ah ben la variante, elle est là-haut, regardez. Regardez. La variante, elle est là-haut, juste en haut à droite. Donc aperçu. Je vais essayer de vous la montrer. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. La variante exclusive, donc de Halloween. Quand vous aurez débloqué toutes les récompenses, ben vous débloquerez cette variante qui est un fusil d'assaut vengeur citrouillesque. Donc voilà, pour chaque récompense, vous allez devoir aller fouiller des caisses, donc n'importe les caisses, hein, vous allez juste devoir aller fouiller dans n'importe quel endroit et vous aurez la chance, bah, peut-être pas directement, mais il faudra y aller plusieurs fois, ouvrir plusieurs caisses et à un moment, bah, vous allez bien finir par trouver chaque objet. Donc dès que vous avez fouillé cette zone-là, vous passez à une autre zone, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est pas très compliqué, hein. Faut juste avoir la chance de tomber sur la bonne caisse. Il n'y a pas une caisse bien en particulier, c'est n'importe laquelle. Dans la zone bien précise, vous débloquerez la récompense gratuitement dans la zone où vous y êtes. Donc voilà. Alors les packs maintenant, il y a le pack tronçonneur, donc massacre à la tronçonneuse. Après c'est un peu cher je trouve, mais franchement il y a pas mal de choses. C'est 24, c'est 2400 code points. Donc ça fait plus ou moins 24€, hein. Mais vous avez un skin, donc là on a le skin apparence Vilcan, rampant, donc voilà on a ce skin là, celui-là c'est pas vraiment trop mon style, par contre j'aime bien les genres d'armes, donc là vous avez deux variantes, et vous avez des munitions, comment ils appellent ça, des balles traçantes orange, voilà, donc vous avez des munitions orange, vous avez une arme de corps à corps, bah, c'est une massue, hein, comme vous pouvez le voir. Putain de masse. Ici, nous avons un cri. Donc, c'est le cri d'un cochon. Comme s'il se faisait égorger. Donc là, ça, ce sera votre klaxon si vous vous en équipez. Si vous avez un petit porte-bonheur, un autocollant, une carte de visite, un emblème et un spray. Donc voilà, pour 24€. Par contre, le pack saut, il est plutôt pas mal. Je suis un peu juste dégoûté qu'il n'y ait pas la petite musique de saut.
Par contre, bah y a le skin. Franchement, le skin, je pense qu'il est pas mal. Hein. J'ai pas encore regardé. Ouais, mais voilà, il est trop stylé. Le skin Saw. Voilà, avec la variante en plus, il l'a directement dans les mains. Regardez-moi ça. Voilà, moi je suis un grand fan de Saw. Et franchement. En plus, je disais, hein, mais j'ai pas envie de les user pour ça. Donc, voilà, je suis pas très cosmétique. Donc, je vais pas l'acheter. Mais franchement, j'avoue qu'il donne envie. Et là, vous avez vu, là, vous avez deux variantes, si je comprends bien. Ouais, vous avez deux variantes avec des balles traçantes rouges. Donc, voilà, vous avez un corps à corps. Donc, c'est quoi ça? C'est un flé botomiste. Ok, c'est sûrement pour lobotomiser les gens, ça. Donc voilà, c'est pas mal, avec une apparence de véhicule, un porte-bonheur, un autocollant, une carte de visite, un emblème et un spray. Voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite musique, genre à la musique de Saw quand on klaxonne ou quoi, mais là on l'a pas, mais on a une apparence de véhicule, donc voilà. Et pour le troisième et dernier pack, c'est le pack de Dr. Karlov est en vie, ok? On ne connaît pas ce pack. Les deux autres, je le connais, mais celui-là, je ne sais pas d'où il vient. Alors, il y a ce skin-là, qui est assez flash, hein. Mais j'avoue, il est quand même pas mal, il a l'air stylé. Je ne sais pas de quelle référence de film ça vient, mais il a l'air pas mal. Alors, nous avons les armes, là. Ah ouais, carrément. Donc, quoi? Traceur électrique? Donc, genre, quand tu... J'ai l'impression que quand tu fous un coup de couteau, tu as un traceur électrique, donc tu as... La petite électricité là qu'on voit qui passe sur la carte. Donc pareil pour les armes, hein. Vous avez le traceur électrique. Donc quand vous tirez. Bon après c'est fort voyant, hein. On dirait des petits éclats d'éclairs. Ici nous avons une apparence de véhicule, hein. Elle est pas ouf. Nous avons un porte-bonheur, un autocollant, une carte de visite, un emblème et un spray. Donc voilà, franchement en soi, le meilleur pack moi je trouve que c'est Saw. Bien évidemment je n'ai pas de code créateur pour l'instant, mais je vais essayer d'en demander un dès que c'est possible. Bien entendu, ce sera SCM quand ce sera disponible. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un autre créateur, hein, comme je sais pas moi. Voilà, comme Skyrose. Lui, il a un truc, donc je pense que c'est tout simplement Skyrose. Hein, si vous voulez soutenir, ou soutenez un autre YouTuber qui a un code créateur. Enfin voilà, faites-vous plaisir et mettez au moins un code créateur, comme ça, voilà, vous faites plaisir à quelqu'un. Moi, pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile hein, à essayer de comprendre comment débloquer les choses et tout ça. J'espère qu'elle vous aura plu parce que je vous ai fait la présentation de tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.